Allez mon Guy, c'est parti pour une grosse session practice. Départ dans 2 heures, je suis bien, on est bien là. Allez, petits muscles, c'est l'heure de se réveiller. Stabilité, mobilité, nickel ça. Ok, donc la cible, elle est à quoi? 40 mètres, on aligne la baguette. Des petits coups tranquilles pour démarrer, première sensation du jour. Oh, il est bon ce contact. Oui, bon, parfait. Allez, une petite dizaine comme ça et on change de club. Il y a un décalage horaire ici ou pas? Départ dans 5 minutes. C'est normal ça. Allez, vite fait. Échauffement, voilà, ça c'est fait. Ok, on sort la masse. Oh, je t'aime bien, toi. Tu m'as coûté tellement cher. Donc, faut bien que je t'amortisse quand même, hein? On vise quoi? Le practice, c'est bien déjà? À gauche. À ma droite, elle-ci. De toute façon, je suis jamais bon practice. Allez, on verra bien. Là, je sais même pas si j'ai des balles dans mon sac. Bon, allez, c'est pas grave. Eh, j'ai peut-être le temps de prendre un café. Grip, check. Allez, une pensée technique. On reste bien centré. Les appuis sont bons. Et on laisse aller. Feedback. Un petit pull. Allez, on reprend. Posture. Ok, qu'est-ce qu'il disait déjà Joël Bernard dans sa dernière vidéo? Edouard Montaz. Pour lui, c'était plutôt ça. Et mon pro lui me demande ça. Impact, main avant, finish. Allez. Franchement, si tu réunis de bons ingrédients, ça peut faire qu'une bonne salade. Allez, bras gauche, armement, appui, transfert, la tête de club. Cosinus de la racine carrée, E égale M6. Allez, donc je pense à tout ça. Toupé. Ok, allez, c'est le trou numéro 1, on va pas s'affoler, c'est pas le plus facile, si je fais boguer c'est pas grave, on se replace et on mise tout sur le troisième coup. Mathématiquement je peux encore aller te chercher le par, c'est un risque inutile, et hors limite à gauche. Ok, donc green à 140 mètres, allez, j'ai 2 coups rendus sur ce trou là, on va aller chercher le birdie, ça passe ou ça casse. Ah bah ça casse. Ok, 82 mètres. Ok, green en montée. Ouais, green un peu humide, assez réceptif, donc faut vraiment planter. 58 degrés, 3 quarts, poitrine, poitrine, poitrine. Allez, c'est ça. Vise un tout petit peu. Allez, on va viser 2 mètres à gauche. Yes, parfait. Putt en montée en plus. Impeccable. Ouais, je le connais par cœur ce coup. Je crois qu'il y a 65 mètres, un truc comme ça. Drapeau à droite. Allez, on va le chercher. Oh, bunker. Oh, c'est l'herbe, elle est trop verte là. Ça m'éblouit les yeux. Allez, si je la joue, ça fait un coup. Si je me drop, ça fait un coup. Et je suis certain de me dégager de là. Je me drop, j'ai un coup plein et je peux aller chercher le green. Parfait, elle est là. Oui, elle est jouable. On va pas la dropper, je vais perdre un coup. En gaucher. Allez, un peu de ménage, parfait. Bon, ok. Il y en a des pitchs aujourd'hui. T'as quasiment pas roulé la balle. Beau petit pitch, beau petit cratère. Allez, on relève tout ça. On marque la balle. On aligne la balle.
Allez, deux petits potes, moi ça me va. Allez, ça me saoule le putting. Ok, c'est moi qui ai fait ça. J'ai même pas fait de backspin. Allez hop, de toute façon putting ça sert à rien. Allez, 135 mètres, dans ces conditions, faire 9. Normalement je suis entre 130 et 140 avec ce club. Ouais, bien le contact. Au centre, 5 mètres du drapeau, on prend. Ok, 135 mètres. Oh, allez, si on attaque un peu. Allez, sandwich. Putain, t'imagines, les autres ils vont être bluffés s'ils voient que j'arrive à faire 130 mètres avec mon sandwich. C'est-à-dire que je suis capable de faire la même distance au sandwich que Bryson. Ouais, bien tapé en plus. Ah bah. Je suis court de 30 mètres. Pourtant, les bijoux. Parce qu'il devait y avoir un peu de vent de face quand même. Ok, donc là, approche en montée. Ah, je suis proche. Franchement, le pré-green est pas mal. Drapeau, 15 mètres. Soit je la fais rouler du début jusqu'à la fin, soit je la lève un tout petit peu et je la fais rouler. Putter ou faire 9. Allez, c'est parti pour le putter, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas plus sécure qu'une balle qui roule. Oh, j'aime pas putter bord de green, sans wedge, il n'y a que ça de vrai. On va mettre un peu de poignée, on cherche à la lever. Je crois qu'il y a moyen de mettre un peu de backspin. Allez. Oh oh oh. Je l'ai vu rebondir dans cette zone. Donc l'axe, j'avais pris ça comme repère. Donc elle doit être par là. Ouais. Nickel. Srixon 2, Z-Star. Ah c'est bon, super. Allez, on va la remettre tranquillement en jeu. Pas prendre de risque, elle est trop mal placée. Il n'y a personne qui vient m'aider à chercher en même temps, c'est vrai que je les ai pas aidés non plus depuis le début. Allez, si on débroussaille un peu, je suis sûr que je vais tomber dessus là. Voilà, ça doit être ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. Oh, le petit nid. Allez, on va dégager un peu tout ça. Et on la sort. Impeccable. Ok, donc 8 mètres. Allez, on se méfie, ça descend, la balle elle peut aller très très vite. Dosage, on va se mettre juste à côté. Voilà, nickel. Allez mon ami, celui-ci tu l'attaques. Le trou, et rien d'autre. Ah, ça passe pas loin. Ça sent le 3 potes, ça. Ok, donc le trou il fait 320 mètres, l'arbre il est à 240. Ouais, on va le jouer tranquillement en deux, on va pas prendre trop de risques, on va jouer la partie gauche. Ok, si je fais 200 mètres, il me restera 120 mètres, il me restera un coup de... Ouais, un coup de pitch. Allez, faire 3. On cherche pas de la distance, on cherche juste à se placer, côté gauche du fairway. Le green n'est pas compliqué, il est large, je peux vraiment l'attaquer plein coup. Nickel, allez on le joue comme ça, c'est parti. Bien tapé, impeccable, exactement là où je voulais. Allez, sapin à 240 mètres. Oh, je pense que ça se survole, même s'il fait froid. Alors limite à gauche. Ok. Oh, si ça passe, il va rien me rester, il va me rester 60 mètres quoi. Balle. Je pense qu'ils m'ont entendu quand même. Combien de provisoires ou quoi? Oh, je vais la retrouver. Il y avait un limite de ce côté-là? Ils l'ont rajouté dans la nuit ou quoi? Ah, j'ai aucune visibilité. On va monter, on va aller regarder un peu. Ah, le drapeau est tout au fond, j'aurais pas deviné de là-bas. Ok, donc il y a un peu de place. Drapeau, ouais, 15 mètres de l'entrée du green. Allez, petit sandwich. Impeccable. Oh la flemme. Bon écoute, on va bien voir. Oh, je l'aperçois un tout petit peu, c'est qu'il doit être à 10 mètres.
Oh, le drapeau est au fond, la prochaine fois j'irai voir quand même. Allez, chip, pas compliqué. Ouh, c'est un peu chargé ça. Allez, c'est pas grave. Putter. Celle-ci, on la fourre. C'est le dernier putt. Oh, ok. Allez, on enlève le drapeau. Yes. Ça, c'est bon. Ça, c'est du bon chip putt. Ok. Ouh, c'est pas passé loin. Oh, le sac, il est tout là-bas. Allez, c'est bon. Oh. Oh non. Je suis en combien déjà? Ouais, oh, c'est bon. Allez, donnez. On fera 6. On va dire 6.